Je pense que c'est quand ça a fait planter tout à l'heure. Bon voilà, bah non, mais je suis là, je suis de retour, j'enregistre, c'est parti. En fait, ça avait planté, ouais. On a quoi en face? J'ai pas vu. Des paro? Des paro. Paro, paro. Il y en a trois. Il y a Paro, Paro et je crois qu'il y a l'évolution de Paro. Donc, si vous avez pas. C'est pas ouf. Vu que vous avez pas suivi. Voilà. On vient de dialoguer avec une personne pour nous. Eh, dis donc! Pour nous dire. En fait, on voulait prendre le Le dirigeable pour aller à dirigeable. la prochaine île. Enfin, au prochain endroit. Et. Bah, Ça marche apparemment, pas sur il. Osserara, tu vois, il faut qu'il soit dans les trois. Je le changerai après. Et apparemment, il manque quelqu'un, donc on doit aller la chercher. Il faut aller chercher la maîtresse de donjon Turquesa, Non, qui c'est pas la est. maîtresse de donjon. C'est Si. juste. Elle a pas dit que c'était une maîtresse Non, de non. donjon. Ah, j'ai cru. Oh, ce bouffage, oh, c'était mignon comme attaque Ah, ça. c'est un croc venimeux, je crois. Ouais, Ouais. c'est ça. Non, mais on aurait dit une genre de plante, ça me fait penser à Pewt. Ouais, mais je sais pas, Comment elle s'appelle c'était. déjà? Je l'appelle Pewt dans Pokémon. C'était du miam. Ah, tu t'es fait fumer ta gueule. Bah, en même temps, j'ai un Temtem haut. Ah oui. J'aurais dû le changer dès le début, mais bon. Moi, il faudra que je change vite fait mon équipe, je déplace. Ah, j'aurais peut-être dû mettre l'autre, j'aurais peut-être acheté, je ne sais pas, ouais, parce que là. Oh, c'est pas grave. Ah oui, ok, je viens de l'éclair. Bien, qu'est-ce qu'on a? Psycho Shrapnel. Oh, c'est bien ça. Il me semble que t'aimes bien l'utiliser ce truc. Je vais me mettre à la place de quoi? Ça prend 14 à la place Bah. de poignée de sable ou picotis. Allez, Non, poignée de picotis, sable. laisse-le. Poignée de sable. Ouais. Comme ça, je récupère une technique psycho. Quel paraque! T'as cassé la baraque! La Barack Obama. Oh merde! Tu fais une erreur de Alors. débutant. Non, pas parce que j'ai moi aussi, oui, j'ai fait. Ah, mais attends, j'ai Genki avec moi. Non, vas-y, on va Je le suis porter. précipité en me disant, il y a peut-être un coffre? Eh bien, quoi, une vieille dame ne peut même plus être au calme sans qu'on vienne l'embêter. Quoi? J'ai juste marché, c'est toi qui es venu. Ouais, c'est ça, ouais, t'agresses les vieilles. Un C'est la petit vieille qui m'a schmite. sauté dessus. Arrête. Ah. Donc, en fait, on redescend, ils nous ont mis à nouveau des gens dangereux. C'est l'idée ou Non, pas? ceux-là on les a pas fait, on les a oubliés en fait. Ah, on les a Parce que la zappés. première fois qu'on est passé, ils nous ont dit ouais, c'est trop dangereux. Il y avait un mec qui nous a dit c'est trop dangereux, dégagez. Ah, comment tu l'as laissé un vital? Bon, est-ce que ça marche alors cette fois-ci? Grosse patate! Ah, voilà, Osera prend ses levels maintenant. Ah, il prend son Ah, bah XP. voilà. Voilà, je t'ai dit, mais tu vois, il faut qu'il soit dans ton équipe. En fait, ça marche quand t'es tout seul parce que t'es à 6. Mais en duo, comme c'est 3 et 3, en fait, Ah, ça compte tu. pas. Ah, ouais, j'aurais dû te dire de pas l'attaquer, mais je pensais passer avant toi, mais. Oh, pis. Pourquoi tu voulais faire quoi? Montrer une attaque? Non, remettre de la vie. Ah, d'accord. Ah, bah, dis donc, quelle débâcle complète pour moi. Je conseille la victoire à la jeunesse. Pas une question de jeunesse, madame. Qu'est-ce que j'allais dire vu que t'es descendu comme un gros taré? Tu veux pas retourner en ville guérir Ah, y'a des parents! ton Platox? Ah ouais, ah, c'est rigolo. Ouais. Bon, y a pas de coffre, on se barre. Bah, Ouais. c'est juste là donc je me dis autant le faire parce que comme t'as un cadavre dans ta team, c'est un peu con si on doit traverser Hop, jusqu'au il y avait une sud. araignée. Je sais pas pourquoi je suis attiré par celui-là de truc. Bah, Maintenant, il j'avoue serait moi venu aussi. là ou au premier ou n'importe où. Non, moi c'est celui-là, Ouais, en non, haut à gauche. moi aussi, j'avoue qu'il m'attire en général. Bon, c'est où alors? C'est là. Ok. On y go! Go, go, go! Allez, faut redescendre les falaises thalassiennes. Ah bah, faut tout redescendre.
Oh! C'est quoi? Belle bête! Ah, mais j'arrive pas à choper. Si, si, mais. On peut pas. Ah, faut aller dans son cul! Bah, j'ai essayé d'aller dans son cul, mais je trouve pas l'endroit. Et tu cliques, vas-y. Ou tu l'as peut-être? Ouais, non, mais c'est bon. Ah non? C'est parce que j'avais pas d'habitude le symbole, mais je le voyais pas. Tiens, regarde, oh, bah t'as vu la taille du truc. Raccourci ici, mais on. On n'a pas l'escalade. On n'est pas des experts de la grimpette. Oh, il y en avait un autre joli là. Je me suis fait happer, ouais, je l'ai vu aussi. Je crois que c'était un. Chocobo. Je crois que c'était un loup mort. C'est bon, j'ai. Ah, si, je suis un volant. Ah non, 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 faut qu'on se casse. Bah, faut qu'on échange, quoi. Ah, je sais pas pour toi dans les jeux. Oh, Nestlé. De ce style. Mais moi, que ce soit un sauvage ou quoi, je fuis jamais. Ça dépend. Non, je fuis jamais, moi, j'affronte. Pourquoi fuir alors que je peux gagner? Bah, parce que des fois, ça me fait du mal les taper gratuitement quand j'en ai pas besoin. Voilà, je suis full. Voilà, c'est Ara après un level. Bah, c'est quoi? Ça doit être un. C'est une monture. Hey, Piaï. Ah, c'est peut-être une monture. Ah, mais c'est le sien, non? Merde, attends. Ah. Non. Non. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, j'ai voulu regarder. Ouais. Bah, c'est pas une monture, y'a personne dessus, non? Ah, bah alors c'est. Ah, bah c'est le. Bah non. Ah, bah c'est le sien alors. Bah, c'est oui, son. C'est le sien. Enfin, c'est. C'est alors, son. On peut pas le. Biper. On peut pas le scanner. Toi, il veut biper tout le monde. Arrête de piper tous les. Tous les temtem que tu ouvres. Après, tu vas finir comme du coutou. Bon, bah, c'est pas bon. Smazy. Il se met à gueule. Je suis pas Gollum. Ça fait que je me promenais avec Gollum. Aouh. Mon petit cul de macaque. Oh, allez, vous foutez de ma gueule. Tu fous ma gueule pour de vrai ou quoi? Allez mec, niveau 5, niveau 7, patate dans ta face. Vous niquez 50% de ma life là déjà. Vous êtes des malades mentaux. Ah, l'Oali est passé 23. Attends, ouais, on allait vers le bas. Oh, allez. Voilà, oh, une hésitation, sorti, hein. Il m'a sauté dessus. Ah, j'étais sorti. Moi. Ouais, non, mais j'ai eu une hésitation s'il fallait aller vers le haut ou vers le bas. Et rentrer chez Vodarod. Le pire, c'est que les mecs, ils prennent de l'XP quand même grâce à ça. Ah, bah oui. Là, ils ont participé. Ils ont vu l'ennemi. Ils ont fui devant l'ennemi. Allez, il faut vraiment que je me mette un baume après. Ah, quand même, pas que ma gueule. Attends, je me mets un bob. Ah oui, donc pour sac à dos. Pour la petite anecdote. Voilà. Oui. Eh ben Nesla, il est venu remplacer Genki, non, Genki. Non, l'autre.
L'évolution de Genki. Non? Ouais. Je sais plus son nom. Ouais, c'est ça, mais j'ai oublié le nom. Je crois le mien, alors c'est pour ça que j'ai pas encore l'habitude. J'avoue que les noms. Je suis pas encore prêt pour retenir tous les noms de Temtem. Ah, on va pouvoir. Attends, c'est par où? Non, bah, c'est pas par là. Non, c'est non. Ah, attends, tant que. Je regarde vite fait. Attends, on est où là? On est là? Ah, ouais, non. Par là-bas? Ah, oh. Ah, pour une fois, c'est pas moi. C'est toi qui as mis du miel dans tes poches. Ah, bah, je suis à peine arrivé donc. Oui. Alors, le danger, c'est Saipat, mais je peux me faire l'autre. Je prends Saipat. Ah, bah non, en fait, je peux tabasser les deux avec le mental. Bah, vas-y, c'est bon, pas de préférence. En plus, niveau 4 et 3. J'ai vomi. Ouais, je vois ça, tu vas cracher à la gueule. Oncle Picsou. Allez, bim. Shrapnel. Shrapnel et sa face. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux plus bouger? Mais c'est quoi ce délire? On m'entend plus? Butters? Pourtant je vois mon truc bouger. Kesako? Tu m'entendais? Ouais, je t'entends. Ah bah, j'ai été déconnecté, le serveur a été redémarré. Et bah, ton jeu a planté aussi. Ah, même pas, non, c'est juste, il redémarre le serveur en fait où on était, ils me disent. Ah bah, ah bon? Bah, ça m'a juste eu un message, ouais. Bah, moi j'ai rien eu. Voilà, attends, mais on est plus coupé. Voilà, on est plus coupé. Non, j'ai eu un message, mais ça a mis du temps à venir. En fait, ça m'a fait comme un genre de friche, je pouvais plus bouger. Bah moi aussi, et puis Et ça m'a dit le serveur a été redémarré en gros, et il fallait que je me reconnecte. Voilà, ah, il t'a envoyé. Je sais pas pourquoi, j'avoue que j'ai pas compris du tout là. Moi non plus. Je m'y attendais pas. C'est quoi, c'est journée de la poisse? Vendredi 13, c'était pas maintenant. C'est passé. Ah non. Ok, c'est bon. On est reparti. Donc on va, comme je disais, on va pouvoir rendre la quête de la... La fille qui a perdu le collier de notre mère. On a retrouvé le collier? Oui. Je m'en rappelle plus. Attends, non? On n'a pas été le chercher, si? Bah, ça me dit rien, non? Perso, ça me parle pas. Ah non, on n'y a pas été. Ouais, je me disais bien. J'allais dire là, je suis pas fou, quand même. Attends, on peut guérir. Ouais, quoi que j'avais mis les bombes. On peut réparer les Temtem. Je vais m'acheter deux bombes. Non, pas 11. Voilà, des bombes à lèvres. Ouais, des bombes à lèvres. Merde, j'ai sauté. Est-ce qu'il fallait sauter? Ouais, faut continuer tout droit. Ah, j'ai perdu Butter. Je suis dans les arbres à l'aide. Au secours. Je me fais attaquer par une bande d'arbres. Des ah bon, on va pouvoir... Vu qu'on doit aller là-bas, on va pouvoir prendre la quête. Picota. Ah, niveau 2 en même temps. Ça veut quoi? T'as 10 d'XP, tu veux que je fasse quoi avec ça? Grosse radasse. Ah, on est revenu à la maison. Alors. On est à la maison là? Putain, j'avoue. Ouais. La route la plus courte, c'est là. Non, c'était pas là. Je sais pas, je voulais surfer en fait. Je voulais... Ben oui, mais non, je voulais prendre le côté sable qui est là et partir après. Je sais plus, est-ce que c'est bon pour moi tout ça?
Ouais, c'est très bon. Ouais. Très bien. C'est bien, Barnchi. Ah, voilà, ça, c'est de l'XP. Voilà, là où je voulais partir. Toujours tout droit. Et ça changeait quoi? Bah normalement c'est plus court. Et puis ça évite de se prendre tout le monde à cause de toi. C'est d'XP. C'est vrai. Bon, je suis pas fan de mon attaque, mais ça fonctionne. Ça fait le taf. Ouais, au CRA 18. Ah, mais il vomit, j'aime pas quand ça vomit. Ouais, laisse-le cracher. Il vomit pas, il balance un petit glaïo. Oh là là. Vas-y, je fais un pas, les gars. Un petit glaïo, il balance. En plus, c'est plutôt vert forêt, vert mousse. Tu vois, c'est qu'il se sent pas bien. Ça lui fait bien. Ouais, ça s'appelle quand même vase toxique. Bah ouais, regarde. Bah, c'est un petit glaïo qui est coincé. Vomit la vase. Bah, ça, c'est à force de traîner dans l'eau, forcément. Il est jamais dans l'eau. Ouais, ça, ouais. Ouais, c'est la seule fois qu'il est dans l'eau. Ah, on va enlever quoi? Oh, enlever ta culotte. Non mais dis donc. Photosynthèse. Je savais bien que ça marchait pas ce bouton en vrai. Al. Attends, il est où le... Attends, ta photo, fin synthèse, c'était qui ça? C'est mon... C'est Loali. Scara... Mais non, enfin, je me trompe. Merde, comment il s'appelle le con? Prends la quête du vieux. Mon préféré. Ouais, vas-y. Turquessa. Bah ouais, on va Turquessa. Bah, c'est où Turquessa? Bah, c'est là où on est censé aller. Ah ouais. Non, mais le mec, il est déjà perdu. Ouais. Je sais qu'on a fait un démarrage chaotique aujourd'hui, mais quand même. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse avec ses enfants? Mais normalement, t'es pas censé lui poser cette question-là, tu connais même pas. Tu as pas encore été. Ok, je veux. Où ici? Alors, hein, je fais tout ce que je peux pour mes enfants, afin qu'ils aient une meilleure vie, machin. Hein. Un peu de temps par là, ou bien maître de dojo, voilà, hein, je fais le boulot, n'importe quoi. Hein. Vous voulez pas qu'ils deviennent pêcheurs comme vous? Ok, la rivière est cruelle. Elle est trouvée peut-être charmante, mais vous devez... La nuit de tempête... Ouais, mais une nuit de tempête, les gars, abuse pas. Bah, c'est comme partout, une nuit de tempête en ville, c'est pas agréable non plus. Il est con, lui. Non, mais les mecs ils cherchent la merde. Pas, c'est comme si tu dis je voudrais que mon fils soit pilote de ligne. Mais c'est dangereux en pleine tempête, bah oui. Si je peux l'éviter, mes enfants auront une meilleure vie. C'est très noble de votre part, je pourrais peut-être les aider. Ouais, c'est vrai qu'on a le bras long dans le métier. Hein. Je suis concerné, moi, d'obtenir une place à l'université d'Herbury pour mes enfants. Je vais certainement pouvoir faire quelque chose. C'est bon, tu nous as pris pour merde. Qu'est-ce que tu voudrais étudier? Je sais pas trop. Bah alors, si tu sais pas, vaudrait mieux voir avec ma femme. C'est pas vos propres enfants? Ah, ça c'est Butters. Ouais, je veux pas commencer à lui dire. C'est Butters avec ses gosses. Elle s'appelle machin, elle doit être à la maison. Ok. Donc, oui, de toute façon, on y va dans ta maison. C'est où l'entrée? C'est là. C'est là. C'est chez lui, ça? En même temps, ouais. Le mec, il habite dans un coin paumé. Elle est où, la mère? Non, je devais parler à la mère. Étrangers. Ouais, c'est bien. Hop! C'est elle.
Bonjour, bienvenue chez nous, ne parlez pas trop fort. Les enfants sont en train de faire des devoirs. Elle est debout en train de rien faire, l'autre cramé du cul. Ils m'ont tous l'air très différents, ils m'ont l'air très concentrés. Ouais, c'est bien vrai. Ariane passe ses journées à dessiner, elle a atteint un niveau invraisemblable. D'accord. Fire, on ne peut jamais lui sortir le nez de ses livres de thémologie. Quant à Stérion, il en a trois. Il pourrait jouer nuit et jour avec ses petits dirigeables. Sa petite gueule, c'est ce qu'ils veulent faire plus tard. Oui, je les encourage à suivre la voie qu'ils ont choisie. Pensez-vous pouvoir m'aider l'un d'entre eux? Si je peux. Tac. Ah donc, qu'est-ce qu'elle veut? Elle est gelée, j'ai pas le droit de parler aux étrangers. Poubelle, y'a rien. Toi. Maman m'interdit de parler aux étrangers. Mais les trois ont le droit de parler. Mais il est où le troisième? Bah là, c'est le bureau. Ah oui. On a pas le droit de parler aux étrangers non plus. Ah, s'il te plaît, je suis en train d'étudier. Mais tu fais semblant. Bon. Parle à... bonjour, bienvenue. On s'en fout. Puis-je vous être utile? Mieux placé pour en parler, demandez-leur directement. Voilà. Là, on a le droit de les toucher, de leur parler. Tu aimes l'art? J'adore ça. J'aimerais bien devenir une artiste, une vraie, pouvoir gagner ma vie avec mes dessins, mes tableaux, tout ça, tout ça. Tu voudrais devenir artiste? Butters, calme-toi, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ouais, mais tu sais, ils sont dans une maison, c'est sur une petite île. Ils vont aller se faire draguer. C'est quasiment la famille de Robinson Crusoe, quoi. Ma famille n'a pas beaucoup d'argent, on est quelques jeunes artistes. J'imagine que je finirai sur un bateau de pêche comme papa. Ouais, ou pute, sur un bateau de pêche, ouais. Je vais tout un artiste. Je vais trouver un artiste pour t'aider. Je vais te trouver un mentor. Pute à la place de Zadar. À la place Zadar. J'ai entendu parler de Hara. Tu vois, va se faire Hara. J'adore ses dessins de Temtem Nature et ses paysages omnisiens. Je crois que je pourrais lui parler de moi. C'était une omnisienne? Oui, enfin, en tout cas, la plupart de ce tableau représente l'Omnésie. Par contre, je ne peux pas te dire précisément, désolé, s'élève, je vais la connaître. Je vais trouver Hara pour toi. Excellent, merci. Et tout ça, j'ai lancé mes séries. Ok. Parle au prochain parce que m'a saoulé. Bon, je vais faire une petite pause. Alors, qui es-tu? J'ai des idées de venir en aide à tes parents. Comment? Que voudrais-tu faire comme étude? Que voudrais-tu faire quand tu seras grande, ma petite? J'ai l'intention de devenir temtemologue. Je suis intéressé par tous les aspects scientifiques des TTM. Tu y connais quelque chose? Je pourrais en parler au professeur Constantinos. Je suis un maître. Quoi? Tu connais le célèbre professeur Constantinos? C'est une éminence. Bah oui, la lumière qui illumine le chemin de la temtemologie. C'est mon mentor. Tu pourrais lui parler, me recommander auprès de lui. Ah, c'est ton mentor. Il aura peut-être besoin d'une assistante de recherche ou quelque chose comme ça. Je trouve du gentil, moi. Si tu étudies sérieusement. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai encore plus de bonnes raisons de terminer ce chapitre aujourd'hui. Si t'es très gentille. Oh, salut, tu veux jouer avec moi? Je joue au pirate de l'air contre les capitaines. Je croyais que tu faisais tes devoirs. Tu aimes les dirigeables? C'est trop cool, les dirigeables. Plus tard, je serai capitaine. J'aurai mon propre dirigeable et puis je partirai naviguer à travers tout l'archipel et il m'arrivera tout plein d'aventures. Ah, ouais, comme non, ton père, il a dit que t'avais pas le droit de prendre le bateau. Par une tempête. Alors, un dirigeable, c'est niette. Je pourrais peut-être t'aider. Non, en bas, non? Ouais. Pour de vrai, comme mousse ou un truc comme ça. Ah oui, j'adorerais ça, même si c'est juste pour faire la vaisselle. Je m'en pas. Si ta mère est d'accord. Ta mère est d'accord. J'espère qu'elle dira oui. Je file préparer mes affaires. Mais qu'est-ce qu'il raconte? T'as 12 ans. Attends, je vais parler à la mère. Vas-y, parle à sa daronne. Bonjour, à propos d'Astérion. Non, un petit garçon, ouais, il a un peu discuté avec lui. Il rêve de toucher. Il voudrait travailler à bord d'un dirigeable. Mais est-ce bien sérieux? Les dirigeables peuvent être dangereux. Et c'est une vie bien solitaire. Alors que comptez-vous faire? Mais c'est pas solitaire, t'es un équipage. Tu vas pas faire ça tout seul. C'est plus de mon là. Fire, je vous écoute. Un peu discuter avec elle.
pour se faire des études à Arbery, elle veut devenir entomologue. C'est-à-dire que l'université était assez difficile d'accès. Quel est votre plan? Je vais demander au professeur. Hein, fille, elle devrait être gentille. Oui, elle est gentille. Si elle est très gentille, elle pourra faire ce qu'elle veut. Et un peu discuter avec elle. Elle veut devenir pirate. Je dis bonjour. Non, artiste. Quand c'est le talent, gagner beaucoup d'argent. Vous connaissez moyen d'aider, je vais trouver un artiste, lui demander ce qu'il en pense. Eh ben, tu iras tabiner. Allez, on doit s'occuper de... Non, c'est bon. On ouais. A tout le monde, Asterion, Adrian, non, on n'a pas Phaedra. Tête de tir. Mais si, on a fait. Non, regarde, elle a pas l'air de me donner. Attends, elle veut devenir Temptologue. Et je connais quelqu'un. Tu allais parler au professeur. Merde, attends, je vais regarder dans mes quêtes. De toute façon, il y a des quêtes que je vais enlever, mais. Mais si, moi j'ai Ariane, Asterion. Quête! Non, attends, ils sont où les quêtes marquées? Asterion, Phaedra. Ah ouais, Phaedra. Ah oui, mais c'est parce que j'ai trop de quêtes. Bah oui. Bon, c'est pas mal, je vais enlever Aria. je vais garder Asterion, c'est le plus proche. Y a pas d'autres poubelles? Si, là. Non. Un robot. On se casse. En plus, je vois que depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de te dandiner, là, ça m'excite. Là, je suis pas une enfant de cœur, moi, non plus. Ouais, je sais. Oh, on te connaît, hein, la katane de Nise. Salaud. Toi, ouais. Coquin. Coquin. Bonjour, on vient se côté chez vous. Elle est vieux. Eh. Eh, machin, t'es pas transparent. Essaye de regarder ça. Y'a quoi? Y'a que ta queue de la neige. Il a dit prendre son cul. Je l'avais vu prendre son cul sur le canapé. Je marque mon territoire. T'as des verres. Allez, viens, on se casse. Eh, je voulais m'asseoir pour que ce soit. Bon, on va où? Ah, attends, y'a un truc là. Non, on peut pas y aller. À droite. Le mec, il picole. C'est quoi ici? Je sais rien, moi. Communauté riverine. Non, c'est pas ici la quête, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des poubelles? Assis-toi. Merci. Pendant que Butters y travaille, moi je regarde la télé. Mais arrête de regarder sur les ordi des gens, toi. C'est mal poli. Mais non, c'est une société, ok. Pardon. Non. Ah, il vient du désert de Taza. Je sais pas où c'est. Lac moyen. Bah, moi non plus. C'est pas un endroit qu'on a déjà vu. Ah, il y a des poubelles. Non, je veux pas te parler. Je veux pas te parler non plus. Je veux ta poubelle. Non, on peut pas se faire la poubelle. J'allais partir en mer sans un Nukama. Une question de superstition. D'excellents nageurs, ils peuvent vous sauver la vie. Putain, si je cours très vite, je suis sûr que je peux faire tomber la télé. C'est bon, ça va. Merde. Essaye pas. Qu'est-ce iPad? C'est un platox. Et tu te dis dresseur? Bah c'est pas moi, j'ai pas le choix. Oh la honte. Bon c'est bon, y'a pas rien ici. Le Saipat parle. Est-ce que... Eh je l'ai traité de Saipat. Allez, on se casse.
Attends. Ok, c'est là. Oh, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Bienvenue à Turquesa, voyageuse. Je suis Shiada, dirigeant de la communauté riviérine qui est. Bah, toi, t'es dresseuse de Temtem. C'est moi, Daiminance. Bienvenue dans la communauté riviérine, Daiminance. Qu'est-ce que c'est la communauté riviérine? Nous nous occupons de tout ce qui a un rapport avec la navigation. Nous faisons office d'autorité portuaire. Nous nous assurons que le marin soit formé et certifié. Nous inspectons l'état des navires et nous prenons soin de nos membres. Tout ce qui traverse la Silaro et qui n'est pas un Temtem, c'est notre affaire. Ouais, si tu peux prendre soin de mon membre aussi. Oreille des marins. Il y en a d'autres. La brigade des marins. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis en mode ça là. La nôtre est la dernière. Que faites-vous ici? En gros, j'essaie d'assurer le suivi de tout ce qui a besoin d'être fait. Les choses peuvent vite devenir très compliquées lorsqu'une tempête éclate ou qu'un touriste échoue son yacht. Je suis très fatigué. Vous devez être occupé, je vais vous laisser. Pas de soucis, à bientôt. Est-ce qu'on ferait la coupure ici, tiens, justement? Eh, hey, t'as flotté. Je t'ai vu flotter. Ouais. Bah c'est normal, j'ai une planche. Ouais, il y avait pas la planche. Eh, ton Platox là, il est en train de se noyer. Oh non. Mais oui, il s'est nagé. Ah, j'ai eu un...